Bonjour, je suis Grégory Lemercier de la société Adeno Embedded qui fait partie du groupe ADTEL. Je suis chez Adeno Embedded en tant que responsable technique du bureau parisien, donc qui est situé à Palaiseau. Mon travail consiste à gérer les projets d'un point de vue chargé d'affaires et chef de projet. Donc, nous avons décidé de faire le forum cette année pour la première fois car nous avons eu dans le passé des stagiaires EPITA qui sont venus chez nous sur des périodes de 4 à 6 mois et pour lesquels nous avons reconnu une vraie compétence qui a mené certains à être embauchés. Par la suite, nous avons identifié EPITA comme une école très intéressante d'un point de vue technique et qui est en phase avec nos activités sur la région parisienne. Et donc, nous souhaitons essayer de nous faire connaître, d'être plus visible auprès de cette école. Les débouchés que nous offrons aux EPITéens, c'est à l'issue d'un stage, quand le stage se passe bien d'un point de vue technique et d'un point de vue personnalité entre l'équipe et le stagiaire, il y a de fortes probabilités d'embauche qui font rentrer donc les étudiants comme ingénieurs développeurs en système embarqué. Et nous avons beaucoup de projets très variés pour différents clients qui amènent donc les ingénieurs à développer sur des architectures différentes, pourquoi pas des OS et des technologies différentes, fait qu'on a une activité très variée dans nos équipes qui nous permettent de tenir toujours les dernières innovations en matière de technologie. La valeur ajoutée d'un EPITéen, c'est tout d'abord les connaissances techniques. Nous travaillons donc sur des OS embarqués qui nécessitent de développer en langage C, C++, voire Java. On s'est rendu compte que les EPITéens avaient un excellent niveau de codage sur ces technologies-là, en plus de qualité de communication et d'intégration et d'état d'esprit qui correspond très bien à notre équipe. We'll be right back.